Flash spécial pour une information qui vient de nous parvenir. Le président de la République a fait son choix. C'est l'avocat Gerardo Escobar qui dirigera la commission d'enquête présidentielle sur les violations des droits de l'homme sous l'ancien régime. C'est lui qui devra également faire la lumière sur les crimes et les abus de ce régime. Né il y a 45 ans, Maître Escobar est un juriste de tendance libérale. Il avait été fortement sollicité par les parents des victimes dès l'installation du nouveau pouvoir. Et maintenant, reprenons notre programme musical. Franz Schubert, La jeune fille et la mort, premier mouvement. Un décor sombre, un Schubert en fond sonore, un éclairage angoissant entre ombre et lumière. Quand une victime croit reconnaître son bourreau et que le destin lui offre l'occasion d'inverser les rôles, La jeune fille et la mort, mise en scène par Massimiliano Verardi, un huis clos transformé en thriller psychologique. Une distribution efficace, un texte poignant, où les contradictions entre se faire justice et accomplir la justice des hommes atteint des sommets. Paulina, ex-militante emprisonnée et torturée durant l'Ancien Régime, vit avec son époux Girardo, un brillant avocat. Le soir où il est nommé à la commission qui enquêtera sur les méfaits de la dictature, Girardo tombe en panne de voiture et est raccompagné par le docteur Miranda. Aussitôt, Paulina croit reconnaître en ce visiteur providentiel son ancien tortionnaire. Avide d'un procès qu'elle n'aura peut-être jamais, Paulina décide de se venger. Tant que subsiste la mémoire des faits, il ne peut y avoir de pardon. Cette phrase de Stefan Zweig illustre ainsi cette pièce où la violence attire toujours la violence et que l'innocent est le seul à se sentir innocent. Imaginez un holocauste nucléaire. Imaginez si vous ne faisiez partie de quelques rares survivants d'une telle catastrophe. Est-ce que la démocratie pourrait perdurer? La solidarité aurait-elle encore un sens? Ceux de Malville, eux, tentent de s'en sortir. Adaptée du roman de Robert Merle, cette fable réaliste est une réflexion sur les difficultés rencontrées par les survivants après une telle catastrophe. Le système malheureux dans lequel nous avons tous vécu a fini par entraîner sa propre destruction et s'est fait péter la gueule. On compte parmi les rares survivants, et tout ce que vous trouvez à faire, c'est de reconstruire le monde. Des artistes japonais et français révèlent l'humour nippon. Si des arts comme le no ou le kabuki parviennent sur les scènes françaises, qu'en est-il du rakugo? Cet art japonais du conte humoristique est suivi au Japon par des millions de personnes, dans les théâtres et même chaque dimanche à la télévision. Il était temps de découvrir que l'humour japonais existe et dévoile tout un aspect méconnu de la culture japonaise. La compagnie Balabolka, lauréate 2009 de la villa Kujioama, développe depuis plusieurs années la pratique et la diffusion du rakugo à travers des tournées internationales et des collaborations avec des artistes japonais.